Parlons d'Internet, parce que sur Internet, parfois on découvre des choses très amusantes, mais aussi assez étranges. Comme cet hommage qu'un humoriste a voulu rendre à Question pour un champion. Moi, je ne l'ai pas vu, on m'en a dit beaucoup de bien. Alors, on va regarder ça, je crains le pire. Regardez bien les images qu'on a vues sur Internet. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu télé qui cartonne depuis le siècle dernier, Question pour un champion. Et voici votre animateur préféré, Julien Lepers. Bonsoir, bonsoir, Question pour un champion. Julien Lepers était l'animateur par excellence. Il savait dire bonjour comme personne et tenir en haleine nos téléspectateurs dès le début d'émission. La lumière est installée. Oh, les techniciens, je les vois, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils suent tellement ils sont contents. Vous êtes nombreux à nous regarder de plus en plus. Merci de votre fidélité. Oui, enfin, au point de se demander si l'émission allait enfin commencer. On oublie tout, on se déstresse. On se déstresse en m'écoutant. Tant le fiche, la fièvre du jeu m'enivre. Présentation des candidats, Martine. Martine est ostréicultrice en Haute-Savoie. Ah, c'est une belle région, Martine, ça bravo à vous. Pascal vient de Suisse, il est inspecteur des impôts. C'est bien ça, les impôts, il en faut, hein. Maxime vient d'adopter 3 beaux enfants. Ça c'est un bel exemple, bel exemple. Et Monsieur Bouchard, lui, collectionne les timbres, c'est sa passion. Oui, c'est tout, oui, bon, on en a vu, hein, des candidats qui collectionnaient les timbres, hein. Je collectionne les timbres depuis... Bon, ne perdons pas de temps. Ah. Place au jeu. La première épreuve était une épreuve de rapidité sur des questions de culture générale. On est concentré. Allez, donnez-moi la capitale de l'Italie. Oui. Rome. Rome, c'est oui. Les autres joueurs, on se concentre. Surtout Monsieur Bouchard. La longueur du pont de Tancarville à 1 mètre près. Allez. Oui, Monsieur Bouchard. C'est pas non, moi. Mais non, on ne fait pas ça. Non, non, c'est pas bien. C'est pas raisonnable à ce stade de la partie. C'est pas moi. C'est de l'anti-jeu. Question annulée. La deuxième épreuve était le 4 à la suite. Les candidats pouvaient choisir un thème parmi ceux proposés par Julien Lepers. La flore de Madagascar, la guerre de sécession ou l'histoire du timbre. Allez. Moi, j'hésite entre les flores de Madagascar et la guerre de sécession. Hein. Ouais. L'histoire du timbre, non? Non. Madagascar, ça me tente un peu parce que bon... Madagascar. De la belle région de Batolampi, mais... Quel dealer? Bon, écoutez, Julien, on va couper la poire en deux, je vais prendre la philatélie. Et enfin, la dernière épreuve, c'était le duel. Un indice chez vous. Chez vous, hein. Ça se passe chez vous. Ici, on n'a rien vu. Monsieur Bouchard, prenez la main. Non, non, assez dommage, c'est dommage. C'était facile, dommage pour vous. La tension est palpable. Top, je suis né le 16 mai 1840 en Grande-Bretagne. Je fus mondialement connu sous le nom de Maurice Bleu. J'apparais pour la première fois en France en 1849 sous le nom de Cérès, vêtu de noir. En 1970, le pape du pop-art, Andy Warhol, m'intègre aux enveloppes. Je suis. Oui, le timbre, j'ai dit oui. Comment je m'appelle? C'est gagné! C'était très mal joué, hein, monsieur Bouchard, c'était très mal joué. Allez, soyez fair play, hein. On va se serrer la main et restez digne. C'était ça, question pour un champion. Salut Koudi! Merci pour cette parodie assez sympa. Le seul problème, c'est que monsieur Koudi pense que question pour un champion, c'est terminé, que c'est pas diffusé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein? On est toujours à l'antenne.